une étape simple pour recevoir de toutes les personnes qui vous aident. Salutations, nous sommes le Conseil des Arcturiens. Nous sommes heureux d'entrer en contact avec vous tous. Nous recevons toutes vos demandes et nous reconnaissons que vous avez de nombreuses raisons de nous les adresser. Nous sommes également conscients des demandes que vous adressez à vos guides et à votre moi supérieur, à la source et à tous ceux qui veulent bien nous écouter, parce que nous sommes tellement branchés sur la conscience collective humaine en ce moment. Nous savons que l'aide est toujours en route et nous savons aussi que certains d'entre vous sont conscients de l'aide qui est en route. Certains d'entre vous ont également l'impression de ne pas bénéficier de l'aide qui vient à eux parce qu'ils l'ont demandé et parce que nous tous, dans les royaumes supérieurs, aimons aider. Nous tenons à vous rassurer, nous trouverons toujours un moyen. Vos guides, votre moi supérieur, vos surâmes et tous les autres êtres qui sont responsables de la réussite de ce voyage sur la planète Terre orchestrent également des événements et des circonstances dans vos vies pour que, d'une manière ou d'une autre, vous receviez l'aide que vous avez demandée et même celle que vous n'avez pas encore demandée. Vous voyez, vous ne pourriez pas être plus soutenu et lorsque vous reconnaissez que vous avez ce soutien, il devient plus facile pour votre personnel de soutien de faire ce qu'il peut et ce qu'il fera pour vous aider. C'est pourquoi les pratiques de gratitude et d'appréciation sont si importantes. En effet, en remerciant ceux que vous devez remercier, vous reconnaissez tous ceux qui vous aident et toute l'aide dont vous bénéficiez. Cette reconnaissance vous détend et vous ouvre à la réception. Vous pouvez penser, en termes très humains, que si vous êtes reconnaissant, les êtres bienveillants apprécieront tellement votre reconnaissance qu'ils vous donneront davantage. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne ici. C'est ainsi que cela fonctionne là-bas. Tout ce que vous avez à faire est d'abandonner le contrôle et de savoir que vous n'avez pas tout à faire et vous commencerez automatiquement à recevoir plus d'aide pour tous ceux avec quoi vous luttez dans votre expérience de vie. Lorsque des enseignants et des êtres bien intentionnés vous disent de lâcher prise, ils ne vous disent pas seulement de vous défaire de vos attachements et de vos jugements, mais ils vous disent aussi de vous défaire de l'idée que vous devez tout faire vous-même et tout contrôler. Vous êtes là pour la balade, pour le voyage, et lorsque vous lâchez prise et que vous vous abandonnez, vous pouvez vous asseoir et profiter un peu plus du paysage. Reconnaissez que souvent les problèmes se résolvent d'eux-mêmes et que des personnes sortent du bois pour devenir votre héros, votre ange en chair et en os, et qu'il n'y a rien que vous auriez pu faire pour évoquer cette personne dans votre imagination, parce que vous ne saviez même pas que c'était possible, et que vous ne saviez même pas qu'elle existait. Mais parfois, les aides prennent une forme physique parce qu'elles sont incitées à vous tendre la main ou à vous offrir leur aide lorsque vous en avez besoin. Voyez donc que vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même et vous n'êtes pas non plus obligé de tout comprendre. Mais lorsque vous reconnaissez que vous avez demandé, que l'aide est en route et que vous avez tant d'aide autour de vous, alors vous pouvez recevoir et vous pouvez recevoir beaucoup plus que vous ne pourriez l'imaginer. Nous continuerons tous à jouer notre rôle pour vous tous. Et lorsque vous reconnaîtrez que c'est votre rôle d'expérimenter et de recevoir de l'aide, vous commencerez à vivre une vie de joie, de liberté et de créativité. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié d'être en contact avec vous, canalisé par Daniel Scranton. Merci de partager au plus grand nombre.